Waouh! Putain les mecs, mais quelle intro! Ça c'était une intro de malade comme on n'en fait plus aujourd'hui. Ah, la belle époque avec la PlayStation, la GameCube et tout ça. Ah, je vais pas faire mon vieux con en disant c'était mieux avant, mais putain, qu'est-ce qu'on faisait de bête d'intro avant. Enfin bref, salut à toutes et à tous, c'est Setsky et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Battle Stadium D.O.N. D.O.N, donc les initiales qui correspondent à D pour Dragon Ball Z, O pour One Piece et N pour Naruto. Et oui, hein, c'est vrai que c'est difficile à deviner seulement regardant le titre comme ça, mais c'est vrai que quand on regarde l'intro et tout ça, on comprend tout de suite. Donc c'est un jeu de baston et de plateforme sorti le 20 juillet 2006 uniquement au Japon. Et ouais, mauvaise nouvelle, c'est que les occidentaux et notamment les petits français comme nous n'ont pas pu profiter de ce jeu. Ce qui est bien dommage, je pense que ça aurait ravi tous les fans des trois shonen les plus connus au monde. Ou ça aurait été encore mieux s'ils avaient rajouté Bleach dedans, ça aurait fait Battle Stadium D.O.N.B. Ça aurait été génial. Enfin bref, c'est un jeu édité par Bandai Namco Games. Namco Games, oui c'est ça. Et développé par A-Team et Q Entertainment. Voilà. Et c'est un jeu sorti uniquement sur GameCube et PlayStation 2. Voilà. Bon. Là c'est une démo. Je vais la passer. Voilà, donc on va peut-être se décider à jouer. Et ouais les mecs, ça va chier. Attention. Donc on a différents modes de jeu dans ce jeu. On a le mode Battle. Hitoide Bato Suta, comme il dit en japonais. Ah oui, je connais toutes les phrases qu'il dit le commentateur japonais. Bien sûr, je vais vous faire une petite démo. Survival Challenge, Time Challenge, Practice. Onane Batosuta, Achachike, Options, Gallery. Je sais, je suis trop fort. Bref, donc Minoride Batosuta, donc c'est le mode 1 joueur ou le mode solo. Survival Challenge, bon bah c'est comme tous les modes survival, c'est il faut battre le plus d'adversaires sans mourir. Time Attack, bah c'est le vaincre le plus d'adversaires possible en un minimum de temps. Practice, bon bah c'est pour s'entraîner. Et par contre entre Minade Batosuta, enfin c'est entre ce mode là et ce mode là, je vois pas la différence en fait. Hein, peut-être là c'est avec des règles spéciales. Enfin combattre entre amis avec des règles spéciales et là sans règles spéciales, je sais pas. Et ça c'est les options et ça la galerie pour voir un petit peu l'historique des différents personnages. Mais bon, bien évidemment vu que le jeu n'est sorti qu'au Japon, c'est en japonais. Et ouais, donc là on peut voir Monkey D. Luffy au fait. Sinon on a quoi d'autre Ça je crois que c'est Goku. Ouais voilà, je me disais bien aussi avec les caractères un petit peu chinois et tout. Parce qu'à la base Goku je crois que c'est un nom je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est un nom chinois à la base. Enfin bref, on va quitter la galerie, c'est pas plus important. Donc Batosuta. Bon, et eh bien on va commencer par le mode solo, hein. Je vais essayer de vous montrer tous les modes du jeu, mais on va commencer par le solo qui est le plus intéressant. Donc, quel est le principal intérêt de Battle Stadium D.O.N? Et eh ben, c'est de pouvoir, c'est un jeu crossover donc qui réunit l'univers de Dragon Ball Z, One Piece et Naruto. Donc ce qui va, je pense, ravir vraiment tous les otaku, tous les fans des mangas shonen les plus célèbres, etc. etc. Et donc forcément, mélange des univers oblige, dit forcément plusieurs personnages à jouer dans les différents univers. Donc pour Naruto, on a bien évidemment Naruto.
Sasuke, Kakashi Sensei, Sakura, et je crois que c'est tout pour le début du moins. Après il y en aura d'autres à débloquer comme Gaara, etc. Dans Dragon Ball Z, au début on a Goku, puis Gohan, Piccolo et enfin Vegeta. Et il y en a d'autres à débloquer, et j'ai débloqué Freezer. Hein. Et dans One Piece, on a Luffy, Zoro, Sanji et Chopper, avec Nami à débloquer. Donc voilà, et on a d'autres personnages à débloquer pour un total de 20. Donc ce qui est... ouais, bon, j'aurais quand même préféré qu'il y ait un peu plus de personnages, mais bon, 20 c'est pas si mal que ça. Donc, ben, on va peut-être se décider à commencer. Donc, je vais prendre Luffy. Voilà, qui pour moi est le plus adapté, on va dire. Enfin, pour moi, c'est le meilleur, en tout cas. On va prendre le jeu en hard. Et c'est parti pour la baston! Et là, vous allez vous rendre compte d'un truc. C'est que, malheureusement, un des premiers défauts du jeu, c'est que Battle Stadium Gion est, on va dire, plagié d'un autre jeu que vous connaissez tous très bien, normalement. Vous allez vite vous en rendre compte. Mission. Je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Get ready. Fight. Bon, désolé, là, je suis sur... sur émulateur, hein, sur comment ça s'appelle, ah ouais, Dolphin, donc il y en a un émulateur GameCube, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour ce qui est de la vitesse, on va dire, surtout que mon PC est pas forcément fait pour les émulateurs, on va dire, donc je suis vraiment désolé si ça lag beaucoup, enfin bon. Donc vous avez pu remarquer que ce jeu est malheureusement un gros pompage de Super Smash Bros Melee. Bon, j'allais dire Super Smash Bros Brawl, mais ça peut pas être le Brawl vu que ce jeu est sorti en 2006, hein, Battle Stadium Gion, et que le Brawl est sorti en 2008, donc ça peut pas être une copie de Super Smash Bros Brawl. Mais par contre, c'est une copie de Super Smash Bros Melee qui lui est sorti en 2002, et qui est la référence du jeu de combat à 4. Voilà, à 4 entre amis, où c'est le bordel total, où on se fout de vrai branler entre amis, où il y a des alliances, où il y a des trahisons, voilà. Voilà, donc là le principe a été vraiment repris, c'est vraiment un, on va dire, un gros plagiat de Super Smash Bros Melee, qui est vraiment dommage, j'ai envie de dire. Ils auraient pu faire un jeu de combat avec un petit peu plus d'originalité. Bon, c'est vrai que pour optimiser, enfin, comment dire. Ah, je passe en mode burst, je vous dirai ce que c'est après. Donc oui, mais bon, je pense que c'était le mieux d'utiliser le style un petit peu plateforme et combat pour, on va dire, mettre en scène les univers de Naruto, Dragon Ball Z et One Piece, mais bon. J'aurais quand même pu faire un truc un peu plus original. Attention, technique spéciale. Oh putain, connard de Kakashi, tu vas crever. Oh merde. Ah. Bon, on recommence. Gamu Gamu no. Putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, 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 non. Voilà. Bon, je vais recommencer pour la énième fois. Et voilà, KO et bim dans votre mouille les mecs. Et voilà, y'a Tazor. Ah oui, déjà premier point vraiment ouais. Déjà premier point vraiment très bien du jeu, c'est la bande son qui est juste, moi je trouve, magnifique. Bon, déjà je veux dire, jeu dans sa version d'origine oblige, forcément, les voix sont en japonais, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'ils nous mettaient le jeu dans sa version originale avec des voix en anglaise, j'aurais fait un bon petit malheur. Enfin bon, bref. Et là, j'ai une nouvelle mission. Donc en fait, les missions qui me donnent, donc c'est les trucs que je dois accomplir durant le combat. Et si je les réussis, j'obtiens des pièces. Donc je vais vous dire à quoi ça sert plus tard. Donc voilà. Donc pour juger ce jeu, je vais commencer par la bande son, que je trouve... Ah bah je viens d'éjecter Sakura dès le premier coup, ça c'est génial. Et je vais utiliser ma technique spéciale en mode burst. Ah, elle se protège. Ok. Ah non, elle est morte.
Voilà, donc pour ce qui est de la bande son, vraiment les voix japonaises que je trouve excellentes. En plus, c'est les voix originales des personnages dans la série animée. Donc ça c'est vraiment magnifique. Ah, là je viens de réussir la mission. Donc elle consistait à vaincre mon adversaire en moins de 60 secondes. Et j'ai dû mettre 30 je crois. Et donc j'ai gagné 45 pièces. Donc je vous montrerai leur utilité après. Donc voilà, on a les voix originales des personnages, ce qui est génial. On a aussi des... bon, les musiques ne correspondent pas du tout à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la série animée. Hein. Mais enfin dans les séries animées, n'empêche qu'elles sont vraiment magnifiques, je trouve les musiques vraiment. Surtout là, j'ai vraiment un petit faible pour la musique lorsqu'on est en mode burst, que je trouve juste excellente, vraiment excellente. Ah purée, là l'émulateur il lag pas mal, bon tant pis. Mais bon, quand même je pense que je me rapproche assez de la vitesse originale du jeu, enfin j'espère. Voilà. Donc là pour la bande son c'est fait, elle est juste magnifique. Oh putain. Et après je vais passer au gameplay, donc qui malheureusement est très similaire à Super Smash Bros Melee. Ce qui veut dire que pour faire des attaques, il faut appuyer sur une direction plus un bouton. Donc ce qui fait que la prise en main est super simple si on a déjà joué à Super Smash Bros Melee. Donc voilà, ça encore une fois, ce sera encore un de mes reproches pour ce jeu. Voilà, dommage pour le gameplay qui surtout est encore moins riche que Super Smash Bros Melee. Car voilà, les combinaisons de coups vraiment, elles sont simples, plus que simplissimes. Elles sont les mêmes que sur Super Smash Bros Melee. En plus, elles sont en nombre réduit et en trois fois plus simples. Donc voilà, ce qui est dommage. Voilà Trunks. Ah non merde, je pensais qu'il allait crever. Ah, je suis en burst mode. Je vais utiliser ma technique. Oh putain. Ah ça c'est encore les pillages de Nami. Je la hais. Il nous est tout le temps chier quand je joue au jeu. Oh non, Gohan, vas-y son Kamehameha. Putain. Non. Oh là. Putain. Connasse. Bon, tant pis. Ah merde, j'ai perdu mon burst mode. Donc voilà, je disais que là, franchement, la prise en main est super facile et que bon, on n'apprend rien lorsque on joue à Battle Stadium GON. Malheureusement, c'est que ce jeu ne réinvente pas du tout le jeu de combat. Donc ce qui est vraiment dommage, ils auraient pu faire un truc plus original. Voilà, faire un gameplay original. Avec déjà une idée très bonne de faire un crossover avec les univers de Dragon Ball Z, One Piece et Naruto, vraiment, je pense que ça aurait fait le jeu ultime que tout le monde se devait d'avoir. Mais malheureusement, ben c'est pas le cas. Donc voilà, le gameplay, c'est pas encore ça. Ah, j'ai réussi la mission, cool. Mais bon voilà, bon le gameplay c'est pas ce qu'il y a de plus original. Par contre ce qui est bien avec ce jeu et ce qui lui permet de se détacher de Super Smash Bros Melee, c'est que notre but ne sera pas de forcément éjecter notre adversaire. Donc c'est une des possibilités pour gagner. Mais on va dire que le principal intérêt pour gagner ne réside pas là-dedans. Ce que j'entends par là, c'est que il faudra, c'est que comme vous pouvez le voir en fait en haut de l'écran, c'est que mon actuel adversaire donc, qui est Lee et moi avons la même barre de vie. Donc vous pouvez voir qu'on a la même barre de vie en haut de l'écran. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois qu'un ennemi est frappé. Bah, par exemple, à chaque fois que moi je frappe mon adversaire, à chaque fois je vais... Enfin, mon adversaire va lâcher des espèces de boules rouges, là, comme vous pouvez le voir. Et je dois récupérer ces boules pour, on va dire, entre guillemets, grignoter un petit peu de sa barre de vie. Et en fait, le but du jeu consiste à avoir la plus grande barre de vie avant la fin du temps imparti, en gros. Donc là, vous pouvez voir que c'est Lee qui a l'avantage, puisqu'il a une plus grande barre de vie que moi.
Donc là je vais essayer d'utiliser ma technique spéciale, mais là pour l'instant je pouvais pas parce qu'il avait une espèce d'armure. Hein. Lorsqu'il était en tout doré et tout, c'était un des items du jeu. Là je viens d'en récupérer un, donc c'est un malus. Parce que pas rendre le jeu trop monotone, donc c'est-à-dire ne faire que taper ton adversaire et ne rien faire d'autre. Il y a des petits bonus qu'on peut récupérer dans le jeu, enfin dans les niveaux. Donc il y a des bonus qui nous permettent de nous rendre plus grands. Là, l'idée de récupérer l'épée de Zabuza. Sinon, on a quoi d'autre? On a des boulets qui nous ralentissent. Sinon, des chaussures de vitesse, des trucs comme ça. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Allez, technique spéciale! Gomu Gomu no Onogi! Attention, c'est la fête au village. Et là, je suis en burst mode. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en gros, le burst mode, on l'a seulement quand on récupère un certain nombre de boules rouges. Donc, qui, je répète, sont accessibles. Enfin, on peut les obtenir en frappant notre adversaire. Et voilà, plus on récupère de ces boules rouges, plus... Ah, putain. Plus on récupère de ces boules rouges, plus on se rapproche, on peut avoir le burst mode, je vais dire. Et donc le burst mode, c'est tout simplement que ça va nous rendre nos attaques plus puissantes, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de plus à retenir. Donc ce qui permet de réel retournement de situation lorsqu'on est en difficulté. Et voilà quoi. Donc sinon, pour faire un résumé du gameplay, bon malheureusement, gros plagiat sur Super Smash Bros Melee, donc malheureusement, voilà, il n'y a rien de changé. Mais voilà, donc le gros pompage sur Super Smash Bros Melee, donc il n'y a absolument rien de changé. Mais voilà, après le fait qu'on doit pas seulement compter sur le fait d'éjecter son adversaire pour gagner est pas si mal. Le fait de récupérer ces espèces de boules rouges là, voilà, ça c'est pas si mal, ça permet de faire de grands retournements de situation et... Ah putain. Et puis voilà quoi, c'est... Bon bah le gameplay c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais c'est quand même pas mal. Oh non putain, Chopper va utiliser sa technique. Et voilà. Ensuite, bon j'ai parlé du gameplay et de la bande son, je vais parler maintenant de la durée de vie. Donc qui est un très mauvais point du jeu, parce que d'ailleurs j'aimerais poser une question aux développeurs. Les mecs, où est passé le mode histoire? Et oui, gros défaut du jeu, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de mode histoire. Bon sang, mais les mecs, qu'est-ce qui vous a pris? Où est passé le mode histoire? Vraiment, c'est... Je veux dire, c'est un truc essentiel dans un jeu de baston. Et bah non, les mecs ils étaient tout simplement trop rares hein, pour mettre un mode histoire et du coup bah il n'y en a pas. Voilà. Donc ce qui est un gros défaut du jeu, c'est qu'on va passer 90% voire même 100% de notre temps à rester dans le mode à rester dans le mode histoire pour tout simplement commencer, recommencer, re-recommencer à combattre les adversaires. Putain. Et là, bon, bah, j'arrive au boss final, donc qui est Bou Géant, Majin Bou Géant. Donc là, j'ai vu que je suis en mode difficile, c'est le boss final est Bou. Si j'étais en mode facile ou normal, ça aurait été Cell Géant qui aurait été le boss final. Oh putain, salopard! Putain, tu vas voir, je vais te faire la peau, toi, connard, saloperie de chewing-gum. Voilà, tu vas voir, tu vas morfler, connard. Attention, chargement au max. Et tu vas... Il souffre pas, non? Ah, je suis passé en burst mode, génial. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça augmente l'efficacité de mes attaques. Putain! Oh putain! Il m'énerve quand il passe à côté de moi comme ça! Voilà! Et bim! J'étais en pleine vidéo et pourtant j'ai réussi à pas faire de gaffe parce que d'habitude quand je me bats contre Majin Buu j'ai vraiment du mal. Et donc, superbe cinématique de fin comme vous pouvez le voir.
Donc voilà, le mode solo était vraiment très très court, on va pas dire qu'on a vraiment galéré. Et voilà, le mode histoire, le mode histoire, il y a pas de mode histoire, hein, je me répète. Je veux dire, le mode solo est terminé. Et on peut voir tous nos amis réunis sur une île déserte à faire la fête et tout. C'est vraiment très sympa comme fin. Et attention, mode final, tout le monde fait un Genkidama, attention. Concentration, effet pyrotechnique. Et avec un magnifique We are number one. Ah ouais, ça vraiment c'est une fin en apothéose, j'ai envie de dire. Là je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de mode histoire. Hein, parce que là, sinon voilà, c'est vraiment un jeu très court malheureusement, voire même j'ai envie de dire sans durée de vie. Donc voilà. Sinon je vais passer la cinématique de. Enfin. Le générique de fin pour vous montrer ceci. Voilà. Une roulette. Start. Voilà, une roulette avec, vous pouvez voir le logo du Wacky Tune and Jump, donc qui est un magazine au Japon qui publie des chapitres de différents mangas. Donc bien évidemment Dragon Ball Z, One Piece et Naruto sont passés par là. Et donc voilà, donc c'est à ça que servaient les pièces que je récoltais dans les différents combats. Donc ce qui me permet de les introduire dans cette roulette. Et donc voilà, hein, tout simplement. Et donc vous allez me dire, mais mis à part ça, à quoi servent les pièces? Et ben c'est comme ça qu'on va débloquer les terrains et les personnages, voilà. Et ce que je trouve vraiment... que je trouve vraiment pas super, parce que malheureusement ce jeu ne on va dire n'est basé que sur la chance, et donc malheureusement si on est malchanceux, bon on peut rester pendant des heures mais on ne débloquera aucun terrain et aucun personnage. Et donc vraiment c'est ça que j'ai pas apprécié, c'est que dans la plupart des jeux de baston normaux, j'ai envie de dire, on débloque des personnages en finissant un mode histoire ou en faisant des trucs comme ça. Et ben là non, c'est, il faut avoir de la chance pour débloquer les personnages, c'est tout. Et voilà, moi j'ai vraiment pas du tout apprécié cette idée là. Donc voilà, là vous pouvez voir que je suis pas un mec très chanceux. Je peux vous dire que le fait de débloquer Nami et Freezer, c'est vraiment un pur coup de bol, parce que là vraiment... laissez tomber quoi. Bon, je vais pas vous en montrer plus. Ah, mais bon, enfin, sauvegarde effectuée. Bon, je vais vous montrer le mode survival maintenant. Donc, je vous ai parlé de la bande son, de la durée. Bon, je vais prendre Goku cette fois. Oula, bug de son. Goku Piccolo. Ouais. Donc je vous ai parlé du gameplay, de la bande son, de la durée de vie, je vous ai dit même qu'il n'y en avait pas du tout. Voilà. Et maintenant, de quoi je pourrais vous parler d'autre? Donc je vous ai parlé du gameplay, de la bande son et de la durée de vie. Et je vais parler des graphismes maintenant. Donc moi je trouve que ce sont vraiment de très beaux graphismes, c'est vraiment un très bon point du jeu. Vraiment, je trouve que les personnages sont très 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 bien modélisés. Voilà, moi je trouve que vraiment Goku il a la classe quoi, vraiment. Tout comme Luffy, tout comme Naruto et tout comme les autres. Vraiment, je trouve qu'ils sont super bien modélisés. Nami, avec ses gros lolos là. Oh putain, je deviens vulgaire, c'est mauvais ça. Ah, et bim! Ouais, tu bouges là, Kamehame. Genki Waki t'es collé et Genki Dama dans ta tronche. Voilà comment c'est business chez moi les gars.
Et voilà, donc pour faire un bilan du jeu, gameplay pas très original, qui se contente seulement de pomper celui qu'il y avait dans Super Smash Bros. Melee. Les graphismes sont très bien, les personnages sont très bien modélisés. La bande son est tout simplement magnifique, même si les musiques ne correspondent pas à celles qu'on a l'habitude d'entendre dans les différentes séries. Enfin, la durée de vie du jeu, ben malheureusement il y en a pas, il y a même pas de mode d'histoire ou de trucs comme ça. Ce qui fait que ce jeu finalement, enfin mon avis sur ce jeu est assez mitigé. Enfin c'est vrai que le fait de réunir les univers de Dragon Ball Z, One Piece et Naruto dans un même jeu, c'est vraiment une très bonne idée. Mais je pense que ça a dû coûter beaucoup aux développeurs pour d'obtenir les licences. Ce qui fait que... Voilà, ce qui fait que finalement ils avaient peut-être pas assez de budget pour faire un jeu très complet. Putain! Oh, je suis mort comme une merde, c'est pas probable. Et voilà, le blondinet de service qui a rien foutu durant le combat qui gagne. Super. Et j'ai même pas battu mon record. Enfin bref. Et voilà, ce qui fait que mon avis sur ce jeu est assez mitigé. Hein. Donc voilà, moi ce que je dirais, c'est que je conseille ce jeu à tous ceux qui sont pas forcément super fans forcément de ces mangas là, bon, qui veulent seulement un jeu de baston où on rigole bien entre amis, mais qui sont pas forcément super fans des mangas, parce que vraiment pour les fans intemporels de Naruto, Dragon Ball Z ou One Piece, ils risquent d'être un petit peu déçus par ce jeu. Là, c'est tout ce que je peux dire. Donc après c'est à vous de décider, mais franchement ce jeu je le conseille seulement à ceux qui aiment uniquement les jeux de baston et pas forcément qui aiment les mangas. Voilà, c'est tout. Donc je vais prendre Sasuke Uchiwa. Et voilà, je vais vous montrer les derniers modes du jeu et après on va s'arrêter là, puisque de toute façon il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ce jeu. Get ready. Fight. Sharingan. Shidori. Ouais, et aussi je voulais dire que je trouve l'animation des attaques très bien. Bon, même si la mise en scène est un petit peu la même pour chaque personnage, mais vraiment je trouve l'animation des attaques vraiment très très bien. Putain. Allez. Ouais, par contre l'émulateur là il lag pas mal quand même. Putain. Donc là je suis en train de faire le time attack, donc je dois vaincre le plus debout possible en un minimum de temps. Voilà, bon je vais pas trop vous montrer ce mode très longtemps, hein. C'est juste le temps de vous montrer, mais après c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant franchement. Je trouve que niveau contenu ce jeu il aurait pu faire vachement mieux. Bon malheureusement, enfin je crois pas qu'il y ait de... Ah je suis mort. Ah non. Non mais le truc c'est que voilà, je trouve que niveau contenu ce jeu est pas génial. Et j'ai essayé de me renseigner, mais je crois pas qu'il y a un Battle Stadium Zero N2, parce que si vraiment il y en avait un, je suis sûr qu'il aurait été de bien meilleure qualité que ce Battle Stadium Zero N ben, normal quoi. Putain, et là ça fait la deuxième fois que je me suicide, je suis vraiment trop... Enfin bref. Bon voilà, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas sorti un Battle Stadium Zero N2, je pense que ça aurait été vraiment magnifique. Ça aurait été vraiment génial et je pense que j'aurais été l'un des premiers à l'acheter. Putain. Enfin bref. Et on essaye de faire le meilleur score possible. Allez les mecs, on y va, c'est parti. Ça va chier, il y aura du sang, je vous préviens. Écartez les jeunes de la télévision. De la télévision ou de l'ordinateur ou de tout ce que vous voulez. Ça va être saignant. Shidori. Non, allez. Non, c'est bon, tu crèves, non? D'accord. Ouh.
ça c'était mortel. Bon bref, je vais pas vous trop vous en montrer parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc le mode entraînement, c'est pas peine que je vous montre, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Les options, bon, on peut pas dire qu'il y ait forcément beaucoup d'options. Hein. Voilà, hein. Il y a franchement pas trop de trucs. À vers là, c'est seulement la partie réglage de son du jeu et là la partie carte mémoire, sinon il y a rien de bien exceptionnel. Et le combat en ami, donc voilà, bof, rien d'exceptionnel. Et donc je vais vous quitter sur ces images. Voilà. Et on va se quitter sur un combat cultissime. Goku versus Naruto versus Luffy. Et ça va être sur... je l'ai pas là. Ah, je cherche la salle de l'esprit du temps, mais apparemment je l'ai pas. Bon bah c'est pas grave, on va aller sur le Vogue Mairie. Donc terrain tiré de One Piece. Goku, Naruto, Luffy. Et on se quitte sur un combat épique sur ce City Set Sky pour le vidéo test de Battle Stadium D.O.N. Donc Dragon Ball Z, One Piece et Naruto dans un même jeu, si ça c'est pas magnifique. Et bon bah je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests. Salut à toutes et à tous. Get your way, get your collé. C'était épique.